La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Et toi, t'as pas de questions, Max, toi? Ouais, moi, je me la réserve pour tout à l'heure. Mais nous avons une deuxième auditrice qui attend depuis 3 minutes. Salut, c'est qui? C'est qui? Plus aucun respect, les 22h50. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Oui, bonjour, je m'appelle Sandra. On a plus de pizza, c'est merci fini. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge as-tu et quelle est ta date de naissance? Alors, j'ai 28 ans et je suis née le 27 mars 90. 27 mars 90, très bien. Est-ce que tu as une question à poser à notre voyant Claude Alexis? Oui, j'aimerais savoir, en fait, je suis amoureuse de quelqu'un à mon travail et j'aimerais savoir si ça pourrait être réciproque. Alors, si on peut, on va être discret, la première lettre de son prénom. Un M. Un M. Mathieu. Maxime. Ah, Maxime, c'est possible, on sait jamais. Non, ça serait bien. Oui, c'est possible. Ah, très bien. Alors, en ce qui concerne... Alors, cette personne n'est pas libre. Maintenant, enfin, il est dans une histoire, mais pas quelque chose, si vous voulez, d'officiel. Alors, vous aurez quand même la possibilité. Il y a une invitation, puisqu'il y a un déjeuner, en tous les cas, qui va se faire avec lui très prochainement. C'est lui qui va payer ou c'est elle qui va payer? Non, c'est lui qui va payer. Mais il y a une origine étrangère chez cette personne. Sûrement, peut-être. Oui. Je ne le connais pas assez encore. Il y a... donc sur un Mohamed, c'est ça? C'est on ressent un jeune homme né d'une union mixte. D'accord. Voilà. Donc, en tous les cas, pour moi, il y a une invitation. Il y a une histoire qui va se vivre. D'accord. Une histoire qui va se vivre. Donc. Il fait quoi ce monsieur dans la vie, sans indiscrétion? Il travaille avec elle. Oui, mais il fait. Enfin, bon, il faut bien qu'on ait des informations en plus. Il travaille dans quel milieu, Sandra? Alors, il est chroniqueur. Ah bon? Sur quelle chaîne? La 8. C8. Ouais. Et est-ce qu'il est DJ des fois pour les mariages? Ça lui arrive. Ça lui arrive? Et est-ce qu'il a une émission de radio le mercredi soir? C'est quoi ce truc? Je crois bien. C'est vrai? Et est-ce qu'il reconnaîtrait quand même une de ses meilleures copines ou pas du tout en fait à l'antenne? Peut-être. Ben non, il la reconnaît pas du tout. Est-ce que c'est pas une fidèle cette émission aussi? Non, c'est pas vrai. C'est pas la DJ la plus célèbre du PAF français? Du PAF. On essaye. Kelly, c'est la mascotte de l'émission maintenant, troisième fois. Mais je ne savais pas que vous appeliez Sandra. C'est son vrai prénom. Ah, salut Kelly, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, mais dès que je suis là, elle appelle. C'est vrai. Chaque fois. On savait pas que tu. Les chouchous, Damien et Max. Oh là là, je t'embrasse. Bien sûr. Mais Kelly, c'était une vraie question en tout cas au départ. On est d'accord. Il veut savoir. Ouais, oui, c'était la question. Ouais. Donc, c'était pas toi par contre, Max. Donc il y a quelque chose qui n'est pas officiel mais qui peut se profiler. Bah, j'espère bien, tu m'en diras plus. Très bien, mais c'est Claude Alexis qui t'en dira plus. Claude, moi j'ai une question à vous poser parce que avec Kelly, je sais qu'avec elle il se passe quelque chose. Est-ce que il pourrait y avoir quelque chose à l'avenir avec Kelly, entre moi et Kelly? Entre Damien et Kelly. Entre Damien et Kelly. Pas mal. Mais t'as une meuf toi, Dimbé? Oui, bien sûr, mais c'est juste pour savoir. Nous, va tous les râteliers celui-là, c'est possible. Chaque fois qu'il vient, le mec il vient s'embrouiller avec sa meuf juste après. Chaque fois. C'est clair. C'est pour ça qu'il vient pas souvent, tu vois. Non. Ah non, c'est réglé, allez hop. Bon bah voilà, moi c'est clair. Désolé Kelly. Donc Claude, vous voyez qui est Kelly? C'est Kelly de Touche pas mon poste, vous voyez, la jeune fille qui mixe. Et donc toi, tu as des parents qui sont d'origine un français, un étranger? Non, mais je pense qu'elle parlait d'un amour. Moi je pense qu'elle parle de toi, Kelly. Moi je pense qu'elle parle de toi. Ah non, je pense pas moi. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais bien sûr que je parlais de toi. Ah oui, vraiment? Mais oui, banane. Mais oui, tu veux qu'elle parle de qui? Moi je pense que Claude a parlé d'une autre personne. Même à la radio. Et oui, il y a la Ligue des Champions ce soir, elle a autre chose à foutre que de téléphoner à la radio normalement. Et donc elle le fait juste pour toi et tu reconnais même pas. En tout cas, merci beaucoup Kelly d'avoir appelé. Ils sont fous. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci Kelly. On te retrouve demain dans Touche pas mon poste. Il est trop bien. Merci. Il y a des appels surprises. Hein. C'est assez incroyable. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.